maîtrise dans ce match, dans le trait de jeu. Ouais, parce que depuis le début de saison, quand même, au niveau de la maîtrise, c'était pas tout à fait ça. Donc on savait qu'on a perdu pas mal de matchs à cause de la maîtrise, justement. Donc là, on s'était dit que si on voulait gagner ici, il fallait maîtriser de la première à la 80e. Même si deux, trois fois, on fait deux, trois petites erreurs qui les remet un peu dans le match. Mais voilà, on a su, déjà avant la mi-temps, on s'en était devant. Il restait 30 secondes de ça. Avant, on n'arrivait pas à gérer ces temps-là. Et là, on les a bien gérés jusqu'à que ça siffle. Donc déjà, ça, c'est très bien. Et puis, on a vu que quand on mettait la main sur le ballon, et qu'on continuait, qu'on les privait de ballon, on a vu qu'il y avait des espaces et qu'on pouvait marquer. Et voilà. Et non, après, super heureux, super content d'état d'esprit. Ça fait plus d'un mois que ça s'y file et que voilà, que cette victoire, on la mérite. Parce que, comme je dis, on a su maîtriser ce match-là de la première à la 80e. Quand on voit la prestation d'aujourd'hui, cette victoire, on se dit que Biarritz n'est vraiment pas à sa place. Après, on va pas s'enflammer. Parce que voilà, on sait d'où on vient, on a quand même la tête sur les épaules. Et voilà, on est à notre place, parce qu'on a perdu deux fois à la maison. Donc voilà, mais par contre, voilà, on a montré que quand on voulait, collectivement, ce que j'avais dit, sans se prendre pour d'autres, en respectant, bien sûr, sans être hautain, tout ça, qu'on pouvait battre n'importe qui. Mais il fallait qu'on était une équipe qui fait collectivement, voilà, il faut qu'on se bat collectivement, pas individuellement. Ça a été justement la clé de ce match aussi, le collectif. Ben voilà, vous avez tout résumé, quoi. Et je redis, quand c'est comme ça, je pense qu'on peut battre tout n'importe quelle équipe. Mais après, c'est un championnat où tout le monde peut gagner n'importe où. Donc on sait très bien que voilà, donc comme je dis, nous, on a fait cadeau de Noël avant l'heure. On a perdu deux fois la maison, donc là, on a rattrapé un faux pas. Et il faut aller chercher notre victoire à l'extérieur. Donc on va savourer tranquillement et puis se remettre au boulot, parce qu'on a un très gros morceau qui nous attend vendredi prochain à Ouyo. Justement, ça peut être à Ouina. Ben oui, de toute façon, on va pas lâcher. Là, ça fait trois fois. Alors, je sais que ça fera taire un peu pas mal de monde qui nous enterre un petit peu, parce qu'on gagne apparemment. Voilà, quand on perd, ça va pas. Quand on gagne, non plus. C'est sûr que contre Perpignan, on n'a pas gagné à la manière, mais 4 points, c'est le plus important. Là, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même gagné à la manière. Donc ça fera taire un peu tout le monde, mais voilà, nous on sait d'où on vient, on a tête sur l'épaule, on sait que voilà, le week-end prochain ça sera encore plus dur. Et puis après, ça fait 15 ans que j'ai pas eu de vacances pour moi le premier de l'an, donc voilà, on va savourer ça tranquillement. Est-ce que quand même ça vous permet de regarder vers le haut, le BO 8e ce soir? Ça change quand même la physionomie ouais, de la saison. Ouais, ça change, mais ça change pas grand-chose non plus. On ne monte pas tant que ça, même en ayant gagné à l'extérieur. Donc on voit encore une fois qu'il n'y a vraiment pas de petite équipe et ça ne se détache pas vraiment encore. Donc voilà, on a gagné, on sait. Bon, je ne pense pas qu'on soit beaucoup monté au classement, mais voilà, il va falloir cravacher, dès le week-end prochain. Après, je vous dis, il y a ces vacances qui vont faire énormément de bien. Et puis après, on a encore un bloc. Je pense que ce bloc d'après sera vraiment décisif pour la suite. Là, ça fait 3 victoires sur 4 dans ce bloc. Ah, il est réussi là, pour l'instant. Oui, il est réussi, on ne va pas faire les fines bouches. Il est réussi parce qu'en plus on s'attendait que voilà, sur ces 5 matchs, c'est que des gros morceaux, que des équipes quasiment qui jouent les phases finales et la montée. Donc on savait à quoi s'attendre, c'est toujours pareil. Si on n'imitait pas ce qu'il fallait, on savait que ça allait être compliqué. Mais comme je dis, voilà, ça fait, comme vous avez dit, ça fait 3 victoires d'affilée. Donc on est très satisfait. Alors c'est sûr, certes, il n'y a pas tout qui a été parfait. Aujourd'hui, quand même, je pense qu'il y a plus de choses positives que négatives.